Bon, les amis. Salut les amis, c'est Cal. On se retrouve pour la suite du Let's Play. Alors, je suis désolé, j'en ai un peu chié les bulles pour battre le Handyman, mais ça y est, je pense avoir trouvé le truc. Vous allez voir, j'ai lancé des corbeaux sur lui et j'ai pas arrêté de le bourriner avec l'arme que j'ai là. Et du coup, au final, ça fonctionne. Hop, vous allez voir ça. Là, il est crevé. Voilà. Je l'ai tué. Hop, on va tout récupérer. Merci. Hop. Donc, je suis assez content parce que j'en ai vraiment chié pour le battre. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'avais pas pris lance-roquette. Je sais plus trop ce que j'ai pris. Ouais. Ce que je vais faire, peut-être, c'est que je vais prendre le lance-roquette direct. Prendre ça. Voilà. Donc il était vraiment super super chiant à avoir. Et encore là. Je suis je me dis que j'étais. C'était vraiment très très chiant quoi. Alors, hop, on va aller par là. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, en tout cas, moi. Ça va bien, bon j'en ai vraiment chié pour me battre l'animal. Là, je veux dire que c'est vraiment la première grosse difficulté de ce Bioshock Infinite. Vraiment là, il m'a posé des difficultés. Encore les petits ennemis comme ça de merde, ça a été. Bah alors l'animal là, waouh, ça a été. Non, ça a été super compliqué, franchement. Allez, ouvre ça, babette. Tu peux ouvrir ça, Elisabeth? Franchement. À la boutique, ce que tu m'as demandé de faire. Évitons de parler de ça. Est-ce que cette chose t'a fait du mal? Si jamais elle me rattrape. C'est la mort, okay. 29 sur 30, passe partout. Ça y ressemble, mais je ne vois pas la différence. J'ai récupéré un peu toutes les différentes choses. Donc moi, ma santé va un peu mieux, les copains, donc voilà, je proposerai peut-être la suite de ce Let's Play directement. D'accord. Ou alors Lego, je pense qu'il y aura du Lego. Par contre, il y a des trucs là-bas, qui me donnent bien envie d'y aller voir. Bon, tant pis, on va aller voir. Oh putain. Qu'est-ce qu'il clignote? Ah, voilà. J'ai bien fait de le prendre, un crochet. On a toujours besoin d'un crochet dans ce jeu, de toute façon, il ne faut pas l'oublier. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, génial. Donc là, en fait, vous voyez, 12 crochets, j'ai envie de dire, on va être bien. Pour le futur, on va dire. Ah, attendez. Qu'est-ce que j'ai vu un truc là. Ah ouais. On risque d'être bien. Enfin. D'accord, ok, j'avais pas vu qu'il y avait un machin là. Ok, on continue là. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est qui lui? Ah, vous avez marre, j'ai pris ça. Wow! Hop. Tu vois, regarde, hop, je bourrine avec ça et c'est pratiquement suffisant. Wow! Tu m'es posé la gueule, enculé. Alors, j'ai envie de dire, le combo breaker, c'est les corbeaux et cette arme-là. Je sais pas comment ça s'appelle, cette arme-là. Mais ça m'a l'air d'être un putain de combo de malade mental. J'ai vu hein, des gros ennemis qui me donnaient du mal la dernière fois. Ils m'en donnent plus beaucoup. Avec cette arme. On va recharger un peu. Je vais recharger l'autre. Ok, là on revient. Oula, on est au début, il me semble. Non ? D'accord. On va voir par
La vox populiste s'est choisi une couleur qui les représente. Ça doit être Allez, hop, ouvre-moi. Pas y aller comme un bourrinox. Voilà, à mon avis, y'a rien. S'il te plaît, tu peux regarder cette série. Ambiance, ambiance. Pas de problème. Je vais obtenir un trophée passe-partout. D'accord. C'est que fait. J'ai ouvert tous les trucs, je pense. Il me semble. Alors, on va reprendre la santé. Ça me paraît bien, la santé. Hop. Allez, yeah. C'est parti. Oula. C'est pas cool, le temps de chargement, là, en plein milieu. Ça, moyen. Hein. Ouais, mais attends, je suis revenu de... Bon. Financial report. D'accord. Ok, on est au Wall Street du jeu, quoi. C'est le Wall Street du jeu, c'est ça. Ok. Alors, toujours... Ah, il y a un truc. Oh. Moi, je vais avoir du blé. Moi, je veux ça, là. C'est quoi, ça? Ah, c'est tout du cristaux, mais je peux pas le récupérer. Tenez, gardez ça. C'est pas un truc de cristaux, ça. Prenez ça. Merde, allez. Faire ça. Ah si, c'était un truc de cristaux, merde. Je pensais que c'était une truc de plus. Marquez le cristaux. Non, 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 c'est ça. Voilà! Et putain, c'est quoi cette arme de malade mental là? Putain, mais... J'ai eu en deux coups de cuillère à poule, j'ai niqué. Ah, quand je disais que ce truc là c'était. Mais là, j'ai niqué en moins de deux. Ah, si je ne sais pas niquer un! Oh non! Oh, attends, c'est pas juste. Je suis niqué, je suis pas comment là. Ah merde. Il y a vraiment quelque chose. Oula, attends. Ouais, on va se casser de là. Wow. Parce que je vois pas où. Il faut vous soigner. Mais il est où? Putain, je le vois pas. Le problème, c'est que je ne le vois pas. Reviens ici. Je pense qu'il est là. Ah, je sais que je peux tirer derrière. Ça m'aide beaucoup comme si ça allait des fois. Quoi. Ici. Ça m'aide beaucoup. Hop, c'est bon. Il y a des jambes partout. Ah mais franchement là, moi je vous conseille de. Franchement, faut même pas se faire chier avec les autres armes du jeu. Vous prenez ces deux armes là, et hop c'est bon, avec les corbeaux,
J'ai envie de dire combo breaker gagne. Là-dessus, franchement. Moi ça va d'être. Je cours un petit peu vite déjà. J'aurais besoin d'aide là. Laissez-moi inspecter le labo des vitesses. Je ne vois personne. J'aimerais bien trouver de la vie. Alors, où c'est qu'il y en est un petit peu, ce qu'on aurait. Je crois qu'elle a fini, non ? Elle a dit voilà ce que je fais. On va dire. Distributeur, ça va. Chargeur à l'eau. Nous, je voudrais un peu profiter. Ah, mais ça, j'ai déjà fait. Un chargement accéléré, c'est pour le canon en main. Ok, ok. Dégâts optimisés, c'est pour les pistolets. Oh, wow. Réduction du recul. Bon, le faucheur, ok. Lance roquette, du canon à main. Fusil à pompe. 25%. J'ai envie de prendre ça. Allez, hop. Vendu. Bon, là, on a plus de 30 $. On va directement aller là. 236 $. Non, je vais déjà prendre mission carabine. J'ai trouvé de l'argent. Ce que je vais déjà faire, c'est prendre les munitions fusil à pompe. Déjà, ça, c'est sûr. Voilà. Ensuite, on va prendre les mitraillettes carabine. Voilà. En fait, je recherche toutes les armes que j'ai. Ah bah, je peux plus. Ok, j'ai récupéré deux. D'accord, ok, génial. J'ai plus qu'à faire ça, revenir. D'accord. Attrapé. Ok. Il reste. Ok. Je voudrais voir quand même si 170 $, je peux pas améliorer au moins encore un truc. Non, non, c'est plus cher. Hop, on se casse. Il y en a encore un troisième, je sais pas ce que c'est ça. Ah d'accord, ça c'est pour les améliorations de... Ah, j'en avais entendu parler. D'accord. Ok, donc en fait, voilà, on augmente les améliorations de nos armes et de nos pas de nos armes mais de nos de nos pouvoirs exactement. Alors il y a des trucs encore par terre, on récupère là, franchement faut récupérer les copains parce que là un peu dans la... C'est quoi ça? Ah voilà. Ok. Ça ne m'augmente pas grand chose hein, quand même. Ah là. C'est bien récupérer de la vie, mais putain, sérieux, là, ils deviennent radins avec la vie, hein. Un peu de malade. Ah, je suis désolé, je retourne parce que je sais qu'il y a un petit trophée en fait. Trophée, non, c'est pas ça que je vais aller. Je sais qu'il y a un petit trophée.
augmente un truc. Ah ouais, normalement c'est des règles. Voilà. Je pensais, mais non, je suis. Alors, mais je suis dedans 1 sur 2. D'accord. Alors, c'est peut-être parce que j'ai pas assez de. J'en ai augmenté qu'un en fait. Alors, j'en ai mis 2 au maximum. Allez hop, là on y va les copains. Désolé, j'ai fait un peu de. Regarde un petit peu ce qui se passe. Putain, il y en a des trucs au vert. Il y a deux mots sur ma fin. Je suis vraiment un vrai mag dans le jeu. Hein. Totalement vrai. Sans rechercher du blé pour moi. Oui. Tenez, de l'argent. Ah, c'est sûr que si vous aimez pas fouiller et tout, le jeu, je sais pas si je vous le conseillerais en fait. Pour une grosse partie du jeu, il faut bien, il faut tout fouiller, il faut prendre son temps. Voilà. Ça fait partie du plaisir d'un Bioshock, je pense. J'ai pas fait les autres, donc je peux pas vous dire, mais je suppose que fouiller tout ça, ça fait partie du plaisir d'un Bioshock. C'est clair et net parce que ça se ressent dans le monde gameplay, ça se ressent. Là, c'est le piège à con là. Voilà, t'es sûr. Ils sont où? Ah, ils arrivent. Ah, hop, on va faire une petite possession. Ils sont. Allez hop, montre-moi où sont tes potes. Pris les tonneaux, prends tout. De toute façon, il me fait de la vie donc. Ok, 140 distributeurs. Parce que là, je m'écoute pas, mais je m'écoute pas les copains. Qu'est-ce qu'il y a par là? J'ai trouvé de l'argent. Je sais pas si c'est par là du côté. Quoi? On dit on dit un peu. Ok, on est revenu là. Putain, encore un temps de chargement, ça c'est horrible. Ah merde, j'avais oublié de... Oh là 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 là, mais quel con. Bah tant pis, je mettrai le son à fond. J'avais oublié de baisser le micro en fait, le micro était en hauteur. Donc vous avez dû rien trop comprendre ce que j'ai dit. Donc je vais essayer de me démarrer au montage pour que vous entendiez. Ça me fait chier parce que de l'autre côté, je sais pas trop ce qu'il y avait. Tant pis, allez, je retourne de l'autre côté. Et là, j'ai pas été là. Putain. Attends. Ok. Putain, ça va. Non. Ah, je suis munition pleine, hein. Allez, crochette-moi ça, ma belle.
Ok, on va essayer de dépenser son blé. Et pas de le perdre quand je pomme, parce que sinon, ça fout les boules. Par où je suis venu déjà? Ok, je suis arrivé de par là, donc du coup, ça doit être là. Oh putain! Ça, ça fait mal, ces temps de chargement là, c'est. Bon, sérieux? Oh putain, mais regardez-moi ça, les. Alors, soit c'est ma PS3 qui a des soucis. Wow, qu'est-ce que c'est ça? Soit. Pour comment on va faire? Oh, j'aime pas quand t'as fait oh oh comme ça, ça craint. Ces pièces d'argent, on ne sait jamais ce que ça vaut. Mais l'or, okay. L'or, ça ne bouge pas. Il avait de vilaines caries. C'était quoi ça? Ils sont où? L'autre il me dit stop, mais ils sont où? Ah le voilà. Ouais, je vous promets que dès qu'il y a un truc, je dépense tout mon blé. Putain, excellent ça. Thunder Lakes. Excellent. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Attendez, excusez-moi. Oh, pardon. Oh, c'est horrible de... Alors, c'est... Ah, à mon avis, il y a plein de trucs à fouiller ici, parce que... Putain, comment c'est glauque. J'adore. J'adore cet environnement un petit peu glauque, comme ça, c'est... Je trouve que ça donne vraiment de la valeur au jeu, ça donne de la consistance à un jeu, honnêtement, franchement. Je trouve que tout ça, ça favorise à la mise en ambiance d'un jeu, etc. Et forcément, ça donne... Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Ça donne de la consistance. Voilà. Non. Toujours recharger. On va charger l'autre. Alors... Qu'est-ce que c'est ça? Là, il y a un petit équipement. Je peux pas le prendre. Alors là, je sais pas. On est bloqué là. Je sais pas pourquoi. Non. Ok, ben on va se casser de là, je peux rien y faire. Il y a l'autre là. Qui est endormi comme la belle au bois dormant. Si je regarde bien. Allez, je suis comme stock. Il me dit qu'il faut que j'aille par là. Voilà. Putain, c'est accueillant chez eux quand même. Allez. Ah, ça me dit d'aller par là. Pof, pof. D'accord, là, c'est pas le bon endroit, forcément. Je me doutais un peu. Donc là, ça devrait être... Par là. D'accord. Mais, ah... Il faut bien regarder, hein. Il y en a partout des kinétostocopes, hein. C'est... Waouh. Franchement... C'est infernal, quoi. Je vous laisse regarder, comme d'hab, hein. De toute façon... vous pouvez lire également. Même ça, ça participe à cette mise en ambiance. Enfin, franchement, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, ce jeu. L'ambiance, elle est phénoménale, tout simplement.
Alors, je suis à combien là de... Ah, il n'y a même pas eu de truc. Ok. On va continuer, nous. Notre petit... Alors, nous, on était bien, c'était bien par là. Hein. J'avais bien... Enfin, vous me direz, il n'y a pas non plus 46 000 chemins. Place de la victoire de Comstock. D'accord. Bah, ma foi, ma belle. Ça fait combien de temps? 25 minutes qu'on est ensemble, ça va. Ok. Elle, elle va directement là. Allez. Ah, dans ce jeu, il y a des cadavres partout. Hein, c'est... Hop. Ah, il n'y a plus de... Par contre... Ah, si, si. Putain, voilà. C'est... Ah, bah, les trois larrons. C'est lequel, celui-là. Ça, c'est pour l'armoirie de l'arbile. Peut-être celui-là, je crois. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là, peut-être. Attends. Autant y aller avec tout le blé. Hein. Oh putain, vous avez vu, 800, 810. Des malades. Non, donc c'est bien, c'est celui-là pour augmenter les armes. Voilà. Augmente les dégâts du fusil à pompe, on va le prendre. Voilà. Du lance-grenade, non. Du augmente de 50% les rechargements. Ouais. Ok, bon, il ne manque plus qu'un, et il sera à combien? Oh putain, il est où? C'est... Recul, accélérer. Bah alors, fusil à pompe. Canon à rafale, la vitesse des projectiles, nanana. Lance-grenade, lance-grenade, du canon à rafale. Hein. Putain, mais sérieux, mais... Ah voilà, augmente le cône... La colle à largeur du cône. D'accord, dispersion optimisée, d'accord, 360$. Ok. J'en ai encore deux, je pense, pour un... Bon, on y va, hein. Oh putain, il y a des cadavres partout, c'est... C'est la fête à la maison. Voxophone. Ce message s'adresse à l'enfant miracle. Bonjour. Je suis désolée que ta maman soit morte. Je crois qu'elle est bien mieux que la mienne. Peux-tu me dire pourquoi ils ont fermé la tour, puisque tu y vis? On raconte que c'est à cause du temps qu'il fait... Ou alors d'une épidémie de variole. D'accord, Constance. Ou d'un problème de fantôme. Ah, mais j'en ai mis un moyen, sans... Je te promets de ne rien dire à personne. Je sais pas si elle regardera la vidéo. Constance. Mais Constance, ça me dit quelque chose. Bon, bah, on va pas trop perdre trop de temps, on y va. Vu qu'elle nous attend là. Ouvrir la porte. Cruelle, voilà 19 ans. Madame Comstock. Ma robe. Cette machine me confond avec ma mère. Vos enfants n'ont pas l'air d'être tout à fait à leur place, Madame Comstock. Seriez-vous souffrante? Ça ne marchera pas comme ça. Moi, je crois que si. Ma mère Comstock. Est morte, Elisabeth. Oui. D'accord. Et il est temps d'aller me recueillir. Bon, là, moi, je veux bien, mais le tombeau de Madame Comstock, c'est où qu'il faut aller? Ah oui, c'est de l'autre côté, ah ouais, c'est où je suis allé tout à l'heure, d'accord, ok. C'est l'autre là, la belle au bois dormant qui est à moitié dans le gaz là.
Ah, c'est par là. Alors. Hop, voilà, c'est là. Voilà le cimetière. Hop là. Là. Oh, oh là là, beau temps de chargement. À mon avis, ça sent gunfight là. Your lady. Où est-ce que tu vas? Our lady, pardon. Tu peux me dire ce qu'on cherche? Qu'est-ce que c'est ce truc là? Nous y sommes. Vas-y. Et voilà. La tombe de ta mère. Elle est conservée dans une chambre hermétique. Ses empreintes nous permettront d'entrer chez Comstock. Oh, mais moi j'ouvre la porte. Mais c'est ta mère qui abandonne son enfant. Je lui arrache la main, tout. Énormément de compassion. Prends le temps de réfléchir à ce que tu dis. Voilà. Vous allez ouvrir la porte ou vous préférez que j'y aille sans vous? Oh là là, quelle mise en ambiance. Hein. Oh, mes enfants, là, j'ai... Elisabeth. C'est elle. Comment allez-vous, mère? Vous êtes bien sous clé? Finalement, nous avons au moins ça en commun, toutes les deux. Laisse-moi faire. Non. Laisse-moi faire. Oh là là, ma bébête. Oula, c'est qui elle? Oh. Elisabeth, est-ce que tout va bien? Où est-elle passée? Quel coup, il faut que tu te reposes un peu. Non, j'obtiendrai cette main. Elisabeth, pourquoi d'accord. Ta mère est un fantôme? Bon, on va ouvrir la porte. Il s'est servi de moi pour alimenter. On est au bout du fantôme d'un Comstock. Oh putain. Possession, j'ai oublié de faire ma possession. Bon bah, nous venons d'arriver contre un boss du jeu encore, mais... Où c'est qu'elle est? Ok, mais attends. Il est pas une arme plus puissante, un truc comme ça, il m'a dit maintenir, attends. Faut prendre mitrailleuse, non je veux pas. Mais elle est où? Elle est où le bougresse? Putain, ça me fait des petits frissons quand même. Hein. Mais où est-elle? Oh, là, je sais qu'il y a des trucs là. Hop. On va prendre de la vie. Ok. Mais j'aimerais bien savoir où elle est. Vas-y. Voilà. Hop. Oh, est-ce que ça va être le trio gagnant? J'en sais rien. Mitrailleuse. Oh là, oh là, oh là, oh là. Attends. On va faire ça, hop, et voilà. Attends, c'est pas ça que je voulais faire. Où c'est qu'elle est la bougresse, là. Elle est là. Oh putain, là je sais pas trop comment faut faire.
Mais écoutez les amis, ce qu'on va faire, oh, ça fait 35 minutes, ce que je vais faire moi les copains, c'est que je vais continuer à me battre, je vais essayer d'accélérer un petit peu le temps pour dire que ça vous paraisse pas trop long, et puis soit je vous le mettrai à la suite, et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, et puis... Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les amis.